Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment peut-on ouvrir une nouvelle page ou bien un nouvel navigateur dans Google Chrome. Et après, on va expliquer comment travailler dans une page privée. Donc d'abord, on va ajouter une page dans cette icône. On va ajouter ici. Ajouter un autre navigateur dans Google Chrome. Bien sûr, on va ajouter un nom. On a le choix. Par exemple, moi, je vais ajouter ce nom, Nabil, comme ça. Et je vais choisir une icône pour le distinguer aux autres navigateurs. Et puis, je peux cocher ici pour qu'il s'affiche dans le bureau. L'étape suivante, on va choisir un arrière-plan, mais avant, ça sera mieux de cocher ici. Donc ici, il y a des applications qu'on peut ajouter à cette page ou bien à ce nouveau navigateur. Donc vous pouvez cocher ou bien décocher. L'étape suivante, donc Next. Ici, on va choisir un arrière-plan de votre choix. Puis, je clique dans Next, suivant. Et bien sûr, ici, vous avez le choix de cocher dans Continue ou bien Non, merci. Donc, on va continuer sans le choisir comme navigateur par défaut. Et voilà le na nouveau navigateur. Maintenant, on va, comme vous allez voir dans le bureau, vous allez trouver le nouveau navigateur dans le bureau. Donc voilà le nouveau navigateur. Maintenant, on va ouvrir une page privée. Donc ici, dans ces trois points, lorsque je clique, le troisième choix, vous avez trouvé ici travailler en privé. Donc ici nous avons en anglais parce que le navigateur il est en anglais. Et voilà la page privée comme vous allez voir avec la casquette et les lunettes